Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur pour la première fois, au nom de la communauté d'agglomération Dieppe-Maritime, de vous présenter mes vœux. J'ai choisi de le faire en toute simplicité sous la forme d'un court message vidéo, relayé par Internet et adressé à chacun d'entre vous. Que vous soyez acteur du territoire, élu, partenaire ou habitant de nos 16 communes. Le 15 avril dernier, au lendemain des élections municipales et intercommunales, la majorité des élus du territoire m'a désigné président de l'agglomération. Cette élection, démocratique et donc incontestable, a néanmoins généré des réactions politiciennes passionnées et parfois irraisonnées. Passons. Aujourd'hui, en ce début 2015, il nous faut tourner définitivement cette page, aller de l'avant et dépasser ces querelles qui n'intéressent plus personne. Il est temps de construire. Souvent perçue à tort comme une collectivité supplémentaire, Dieppe-Maritime ne doit pas être considérée comme un guichet de plus pour obtenir des subventions ou comme une institution technocratique loin de vos préoccupations. En vérité, notre collectivité a deux objectifs principaux qui concernent chacun d'entre nous dans son quotidien. Tout d'abord, l'agglomération assure à la place des communes des services de proximité. Elle distribue l'eau potable à 22 000 foyers, assure le traitement des eaux usées, collecte nos déchets, assure les transports urbains et scolaires, mais aussi la diffusion égalitaire des enseignements artistiques. Ces services publics complexes sont assurés dans un souci d'efficience par des agents que je salue et remercie. L'agglomération a aussi comme raison d'être le développement du territoire et son attractivité. L'économie, donc l'emploi, est même la priorité de notre action. Créer les conditions d'accueil des entreprises, permettre leur développement, attirer et accueillir les touristes, construire des logements, préparer l'avenir et les grands projets font partie de nos compétences, toujours exercées dans un souci de développement durable et de préservation de notre cadre de vie. Nos efforts portent progressivement leurs fruits. Par exemple, lorsque le groupe Renault relance Alpine et annonce même la construction à Dieppe de la Blue Car. Notre collectivité n'a pas hésité dans ce dossier. Elle a joué pleinement son rôle de chef de file de l'économie locale et a remis à Alpine les clés d'un bâtiment de 4 500 m² il y a quelques semaines. Voilà un exemple concret de la plus-value de l'agglomération. Pour poursuivre son travail, confirmer la dynamique amorcée, Dieppe-Maritime devra demain exercer davantage de compétences à la place des communes. Sans ces transferts de compétences, la machine intercommunale risque de s'enrayer et à terme de ne plus pouvoir fonctionner. Alors, c'est le développement de Dieppe et de tout son territoire qui en sera altéré. Et il y a urgence, car la diminution des dotations d'État porte à notre collectivité un coût très dur. Aujourd'hui, malgré nos efforts de maîtrise des dépenses, notre situation budgétaire est très sensible. Alors que l'on appelle Dieppe-Maritime à intervenir sur de nombreux dossiers difficiles, DSN, les piscines et autres grands équipements sportifs, culturel ou de santé, il y a urgence à prendre conscience d'une réalité incontournable. Nous ne pourrons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Enfin, sujet de préoccupation majeur, la ligne Dieppe-New Haven. Oui, elle doit être pérennisée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce dossier. Dieppe-Maritime ne restera pas sur le quai. Mais nous ne pourrons pas non plus intervenir sans mesurer nos capacités financières. Pour sauver le lien transmanche, nous devons nous rassembler largement et je ne peux imaginer
que les communautés du pays diépois restent indifférentes au sauvetage de cet outil économique qui concerne tout le bassin d'emploi. Mesdames, Messieurs, beaucoup d'entre vous, je le sais, traversent une période difficile et qui semble interminable. Ils s'interrogent sur l'avenir et attendent les signes d'une reprise. Le renouveau viendra car nous avons des atouts pour nous redresser. Le premier de ces atouts est la mer. Aujourd'hui, avec un port redynamisé, les perspectives des grands chantiers éoliens, le développement du tourisme, du nautisme, la mer constitue encore une des clés du développement et de l'attractivité de ce territoire. À nous de nous en emparer. Le renouveau viendra aussi à la condition d'une réaction rapide et de prise de décision responsable de tous les élus, au-delà des différences ou des appartenances politiques et même des frontières territoriales. En 2015, le bateau Dieppe Maritime aura encore à traverser des périodes de houle. Mais fort d'un équipage rassemblé, avec comme cap l'intérêt général et en pouvant compter sur tous les talents de ce territoire, nous parviendrons à bon port. Merci de votre attention. Bonne et excellente année 2015 à toutes et à tous.